première partie est facile parce que les 80 premiers kilomètres sont à peu près corrects. Ça fait 211 kilomètres au total. Mais après, quand on va rentrer un petit peu dans le dur, parce que c'est vraiment le dur, c'est la première vraiment étape de montagne, avec la Rouquette du Cisan qui monte à 1500 mètres. Beau petit col de première catégorie, on redescend, parce que dans les Pyrénées, on redescend tout de suite et puis on remonte aussi vite qu'on a descendu avec le Tourmalet, avec 2115 mètres d'altitude. Donc c'est le gros morceau des Pyrénées. On refait une belle petite descente, un peu technique, un peu difficile, et on va tout de suite attaquer l'Uzardiden et on remonte à 1700 mètres. Donc je pense qu'en arrivant au sommet, il y en a beaucoup qui ne seront pas à l'appel. Il en manquera des coureurs. Parce que c'est quand même une étape assez concentrée sur le final et ça sera très dur.